Et coucou YouTube, c'est Bifarm24, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien, et j'espère surtout les amis que vous pétez la forme, parce que ça c'est le plus important. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour la suite de cette aventure sur le jeu de Dinkum. Avant de commencer quoi que ce soit les amis, je tenais à vous remercier du fond du cœur de votre encouragement et de votre soutien durant cette aventure sur YouTube. Grâce au like, aux commentaires, au partage de vidéos, ceux qui rejoignent les réseaux sociaux, les liens dans la description de la vidéo, très important les amis. Je tenais également à vous remercier à tous ceux qui s'abonnent sur ma chaîne YouTube, à ceux qui activent la fameuse petite cloche. Très important les amis, ça vous permet d'avoir une notification en temps réel lorsque je poste une vidéo sur ma chaîne YouTube et également avoir les petits posts etc. de la communauté. Je tenais également à vous remercier du fond du cœur à tous ceux qui jouent le jeu de désactiver Adblock afin de monétiser mes vidéos, une façon totalement gratuite de pouvoir m'aider. Et je tenais également à remercier ceux qui prennent les abonnements sur ma chaîne YouTube. Sur ce les amis, on va tout simplement continuer la suite de cette aventure, donc c'est parti, let's go. Je vais tenter, j'ai bien dit tenter les amis, de parler moins vite. Je sais, je parle extrêmement vite. Je tiens ça de ma mère. Voilà, ça c'est dit, c'est fait, c'est la faute de ma mère. Je rigole les amis. Ok, non je rigole pas, je tiens vraiment ça de ma mère. C'est parti les amis, let's go. Donc on a débloqué un objectif. Notamment, vous pouvez certainement prendre un coup ou deux. Voici une étape importante pour subir des dégâts. Ok, dommage à l'éponge. Super, c'est sympa ça, dis-moi. Donc les amis, l'objectif quotidien d'aujourd'hui, ça va être quoi? Ça va être d'avoir 3000 de dink, c'est-à-dire de vendre des objets, cuire 2 de viande et planter une graine d'arbre. Donc c'est parti, let's go les amis. Je vais tenter durant cette aventure les amis de faire attention aux mots un petit peu grossiers, on va dire ça comme ça. Dans le sens où il y a peut-être un public jeune qui regarde. Et je pense fort à vous et d'ailleurs je tiens à vous remercier les amis. Voilà, sur ce c'est dit, c'est fait. Donc c'est parti, let's go. Donc là, il y a John qui est en train de regarder mon petit poussin. Ça va, John? Tranquille. Fais comme chez toi, hein. Donc là, les amis, il va falloir que je fasse cuire de la viande. Et pour ça, il va me falloir des kangourous. Ou autres. Alors lui... Voilà. Non, je veux juste ça. Les graines, tout ça, c'est bon, j'en ai assez. Allez, viens là, mon croco. Allez. Oh là là. Ah, j'ai pris cher. Hein. Attendez, je suis pas bien. Oh non! Ah, je pensais que je pouvais esquiver les amis. Ah, je me suis fait avoir. Hein. Ah là, les amis, ouais. Ça arrive. J'ai envie de vous dire. C'est comme ça qu'on apprend. Hein. Je pensais réellement que je pouvais esquiver en sautant comme ça. Mais pas du tout. du coup, les amis, on va ramasser également les minerais. Parce qu'à chaque fois, vous vous rappelez, je disais oui, bon, je vais laisser les minerais. Je repasserai plus tard. Et bizarrement, quand j'essaye de les chercher, je les trouve pas. Donc, on va les ramasser. Comme ça, moi, je suis sûr d'être tranquille. En tout cas, les amis, ça fait toujours un... C'est un grand plaisir de revenir sur ce jeu. Vraiment, je l'aime bien, ce jeu. Ah, il y a des kangourous. C'est parfait, ça, les amis. Alors là. Alors là, vous êtes vraiment coincés. Hein. Alors là, vous pouvez pas esquiver, hein. Ça va être compliqué pour vous. Hein. Allez. Voilà, parfait. Donc, ce que nous allons faire, les amis, c'est faire cuire nos morceaux de viande. Donc, il a dit 2 morceaux de viande, je crois. Voilà. Entre-temps, le temps que ça chauffe, je vais creuser un trou. Je vais jeter ma petite graine d'arbre. Et je la plante. Comme ça, au moins... L'objectif est accompli, c'est parfait. Et entre temps, comme vous pouvez constater, je reviens et la viande, elle est prête. Et là, l'objectif est également accompli avec succès, les amis. Donc là, ce que je vais devoir faire également, c'est commencer à m'occuper un petit peu de la nourriture. Mais n'oubliez pas, très important, les amis, qu'il faut que je fasse... Il faut que je vende des items pour me faire un petit peu d'argent. Donc là, ce que je pense faire déjà, c'est peut-être faire de la nourriture.
Ça c'est pas mal. Voilà, parfait. Dites-moi, attendez parce que je me rappelle plus des recettes. Viande, maïs, tout ça j'ai pas. Farine j'ai pas, ça j'ai pas. J'ai pas non plus. Je crois qu'en fait je peux pas faire grand chose hein, si mes souvenirs sont bons. Ah attendez, de la gongong, banane, pomme. Et ok. Ah, tout ça c'est dans les alentours. Mais par contre ouais, il va falloir que j'aille les récupérer tout simplement. C'est pour ça qu'il va falloir que... Et c'est pour ça que j'ai commencé à le faire. Je sais pas si vous l'avez remarqué. J'ai commencé à planter des bananiers. Mais c'est pas pour rien. Parce qu'en fait, je vais faire sorte... Enfin, je vais faire différentes sortes de plantations. C'est-à-dire différents types de terrains. Un terrain pour les bananes, un terrain pour les noix de coco, un autre terrain pour ci, un autre terrain pour là, etc. etc. Comme ça, au moins, on va pouvoir avancer et on sera tranquille. On pourra les récolter directement sur notre propre terrain qu'on a terraformé. Alors là, ce que j'ai envie de faire, les amis, c'est viande... ouais, la viande. Pourquoi pas ? La viande sur un bâton, on va le vendre. 1612. Ah ouais. Ah merci John. Ah c'est bon à savoir ça. Ça les amis, c'est une bonne nouvelle. Hein. Du coup, je vais manger ça. Je voulais pas tout manger non plus, mais et tant pis, j'ai envie de te dire. Je peux pas la faire cuire. Ok. Alors je sais pas trop ce que je peux faire pour l'instant avec. On va essayer de découvrir ça plus tard les amis. Ça je vais le manger. Maintenant il faut que je me fasse un petit peu d'argent. Donc comme vous avez pu constater, la viande rapporte plutôt pas mal hein. Ok ici. Voilà. Parfait ça. Allez hop, 3 de viande. Ça c'est fait aussi. Là on va chasser tous les kangourous qu'on croise hein. Pas le choix les amis. Là, il n'y a pas le choix. Ça, il m'en faut. Hop, parfait. Viens ici, toi, mon petit coquin. Allez. Ça, je vais te récupérer après. Là, c'est parfait. Ça m'en a donné que deux. Au fait, ça varie. Hein. Un coup, c'est un coup, c'est deux et un coup, c'est trois. Je l'ai remarqué, ça. Je sais pas si vous faites attention à ce genre de détails. Moi, je fais toujours attention à ça. Là on vient d'accomplir un succès qui est donc de briser des roches et notamment des minerais. Ça fait plaisir. Donc là on va ramasser ceci tranquillement. Donc c'est des bush lime. On dit ça en anglais ouais. Là pareil je vais ramasser ça. Il y en a d'autres par contre je sais plus où ils sont. Il y en a un notamment là qui est de couleur bleue. Je sais plus comment ça s'appelle, de la gangrum, quelque chose comme ça, je me rappelle plus. Je sais que ça pousse à un endroit, mais où? Alors là, bah ici, bah voilà, c'est parfait. C'est parfait, et j'ai envie de vous dire, même d'ailleurs les amis, on va couper l'arbre, et on va essayer de ramasser la graine. Non, on peut pas? Non. On peut pas les amis. Ah mais attendez. Non mais oui, bah oui, bah oui, c'est le fruit qu'il faut enterrer. Logique. Ok. Donc les bananes, c'est bon. Donc là je vous rappelle, je vais chasser les kangourous pour avoir de la viande. Et ensuite les amis je vais le mettre en brochette hein, que je vais aller vendre directement à John. À notre cher ami John. Qui est pas très gentil des fois. Hein. Bah viens ici toi. Voilà. Dites-le moi par commentaire les amis si vous voulez qu'on fasse des lives hein, sur ce jeu. Vous me le dites. Ensuite peut-être qu'on fera des lives à partir de 20h, quelque chose comme ça, ça pourrait être pas mal. Donc là c'est parfait les amis. Maintenant on va rentrer à la maison. On va pas perdre trop de temps non plus. Ouais, il fallait que je le fasse. C'était obligé. Là je vais ramasser les minerais. Et ensuite on va rentrer tranquillement à la maison.
nickel, ça c'est parfait. La maison elle est juste à côté les amis. Là on va faire plusieurs choses, vous allez voir. Faudrait que je mette ma cage aussi quelque part pour attraper des animaux que je puisse le vendre après. Donc là, on va faire cuire tout ceci. Alors logiquement, là déjà on a accompli un succès, donc c'est par rapport à la table de cuisine qu'on utilise. Mais là ce que je vais faire, logiquement, c'est juste de vendre au moins... Attendez, je vais essayer de voir. Ça. Si je peux éviter de... Combien ça m'a rapporté ça? 11 000 ! Attendez, j'ai sélectionné quoi pour avoir autant? Attendez, hein. J'ai pris ça. J'ai pris ça et ça. Ah, c'est les dents de croco qui vaut ce prix là les amis. Les dents de croco, ouais. Parfait ça. Eh mais attends. Ouais mais c'est des coupeurs barres. Ouais mais c'est pas intéressant ça. Un manuel pour les machines. Franchement l'ami, alors c'est cher, mais je pense que ça peut être utile. Par contre t'es un coquin toi. T'es un petit coquinou toi. Ok donc là les amis, ce que nous allons faire maintenant c'est commencer à... Alors logiquement j'ai même pas besoin d'aplanir le terrain parce que en vrai de vrai, hein, j'avais fait en sorte de pouvoir tranquillement... Ouais on peut là, regardez. Tac. Juste on va faire ça pour l'instant. Voilà. Tac. Après je me rappelle les amis, j'avais laissé 2 de KO, ouais. Donc en gros ça fait ça, ça et ça. C'est logique. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Par contre, regardez, il y a une astuce. Ça va beaucoup plus vite de faire ça. Et ça, les amis. Ça, par contre, je ne savais pas. Donc là, on a un bananier. J'avais commencé à planter ça. D'accord, ok. Mais c'est ce que je viens de planter, au fait. Est-ce que j'ai gardé mes noix de coco, les gars? Bien sûr. Elles sont là. Je peux pas. Attendez. Oh. Viens là toi. C'est un peu bizarre non? On est d'accord. Je peux pas. C'est comme ça la plantation de notre coco? J'ai un petit doute du coup. On va laisser comme ça pour l'instant hein. On va pas trop perdre de temps là-dessus. Par contre, les amis, oui, j'aimerais utiliser mon système de cache pour me faire un peu d'argent. On va également poser, les amis, tous les objets que je n'ai pas besoin. Donc tout ça, j'en ai pas besoin. Donc là, on a notre fameux petit livre, les gars. Et je pense que on va essayer de voir comment cela fonctionne. Je vous dis qui peut aller dans quelle machine. Comment on fait pour lire? Ah, alors, pour vous expliquer, pour ceux qui comprennent pas, si vous avez le livre en question, vous appuyez avec le clic gauche, vous maintenez, ça fait comme si vous lisez le livre, mais vous maintenez encore le clic gauche, et vous allez sur l'objet en question que vous voulez voir, c'est-à-dire la machine. Donc il y a ça, là sur le feu on peut faire ça, donc là on continue, donc là je remaintiens. Ah, par contre là, attendez,
Alors par contre, ça ne fonctionne pas sur quand on est à l'intérieur. Donc, je vais devoir le mettre à l'extérieur, clairement. J'ai pas le choix, les amis. Hein. Tout ça, je vais mettre à l'extérieur. Hein. Comme vous avez pu constater, à l'intérieur, cela ne fonctionne pas. Donc là, on va faire ça. Ah, attendez, j'étais en train de penser. La dernière fois, les amis, qu'on avait fait quelque chose côte à côte, je crois que ça avait rebondi dessus. Hein. Tac. Ça comme ça. Alors, peut-être pas comme ça, parce que ça fait un petit peu moche. Voilà. Et ensuite, je crois qu'on a tout posé, là. Donc là, si je prends mon bouquin, que je refais un clic gauche... Là ça fonctionne parce que c'est à l'extérieur, les amis. Là d'ailleurs, vous avez vu? Est-ce que vous avez vu? Regardez. Un minerai qu'on a d'ailleurs au passage, les amis, qui est ici. Donc là, je peux l'insérer. Et grâce au livre que j'ai acheté, du coup, je sais que je peux l'utiliser. C'est vraiment pas mal, mine de rien. Et j'obtiens de l'iron. Intéressant. Attends, je vais te nourrir, mon petit poussin. Oh là. Il est à deux doigts de partir, là, non? Petit coquin. Et attendez, j'ai eu quoi, là? J'ai eu autre chose, là, non? Minerai de fer, et j'ai eu autre chose, hein. Je crois que j'ai eu des minerais d'étain, non? En supplément? Je suis pas sûr. J'ai pas fait attention, les amis. J'étais tellement occupé par le poussin que j'ai pas fait attention. Chaud de brousse, tout ça. Je pense que j'en ai pas planté. Hein. Attendez, je vais aller les planter, les amis, comme ça, moi, ça sera fait. Tac, 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 c'est ici. Mon petit bouquin, on va le mettre de côté, les amis. Je le mettrai dans un coffre pour pas le perdre. Ah, il ressemble à l'autre. Hein. Je pense que, les amis, je crois que là-bas, c'est ceux-là. Hein. C'est ceux que j'ai. Hein. Mais dans le doute, on va quand même les planter. Hein. On va les planter. Donc ça, c'est ici, c'est bon. Il faut que je mange un petit peu parce que sinon je vais tomber par terre. J'avais dit, les amis, qu'également, il fallait que... Il va falloir qu'on fasse beaucoup de choses, mine de rien. Je pense que là, en gros, il faudrait que déjà, je fasse cuire certains aliments. Sauf que là, j'ai mes brochettes. Mais vous allez comprendre ce que je vais faire. Vous allez très vite comprendre, d'ailleurs. Ça, j'en ai pas besoin. Ça, j'en ai pas besoin. Ça, c'est la première chose la plus importante. Ça, c'est le troisième, je dirais. Ça, c'est le deuxième. Et ça, le quatrième. Ensuite, ça, pour l'instant, je peux le laisser comme ça. Donc ça, si je le fais cuire, c'est parce que ça va compléter mon aliment. C'est-à-dire que, en gros, je mangerai une brochette. Et derrière, je mangerai ça pour remplir mon petit bidou. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, et juste une brochette. Et là, je suis tranquille. Je pense qu'également, on va prendre le feu avec nous, comme ça on sera tranquille. Là, ici, les amis, du coup, je vais prendre ça. Mon petit livre, je vais le poser ici. Ça, je vais également le poser là. Comme ça, moi, je suis sûr d'être tranquille. Les minerais, on va les faire fondre, tout ça, vous allez voir. On va vraiment s'occuper à fond là. On va pas perdre de temps, les amis. Du coup, le minerai, il est ici. C'est une pierre brillante, hein. On est bien d'accord. La petite mamie qui nous regarde, les amis. D'accord, donc ça donne du minerai cuivre, des fois du fer ou de l'étain, quoi. Intéressant. C'est exactement ça, les amis. Donc c'est aléatoire, en fait. Ça, mine de rien, c'est pas mal, hein. En fait, tout est utile. C'est très bien pensé, mine de rien. C'est... Franchement, j'ai rien à dire. Ils ont vraiment fait les choses proprement, quoi. Moi, j'aime bien.
Après, chacun son truc, mais moi j'aime bien le système. J'ai pas mal de choses à faire fondre. Alors, les trucs que je vais faire fondre, les amis, je ne les vendrai pas. Cette fois-ci, je ne ferai pas l'erreur. Parce que comme on a pu constater juste auparavant, à chaque fois c'est utile. Là, l'heure commence à tourner, donc on va pas perdre de temps, les amis. Juste, voilà, il y a la petite barre. C'est parfait. On va juste remettre en attendant. Et là, on va le ranger. Et maintenant, on va aller tranquillement... Eh bien, faire un petit tour. On va essayer notamment de ramasser de la viande... On va également poser des pièges, etc, etc, ok. Il y a pas mal de... Ah, ils sont en train de tout attaquer, là. Wouah. Et là, ils ont... ils sont nombreux, là. D'accord, donc là, il y en a un. Par contre, il va se casser, ma petite lance, là. Ma lance va se casser, les amis. Elle va se casser... N'hésitons. Il y en a tellement. J'ai l'impression qu'on quand il pleut, il y en a plus. Je sais pas si c'est une impression. Je sais pas, c'est bizarre. Donc là, il faut bien réfléchir. À chaque fois que vous vous déplacez à un endroit, il faut vous dire, faut que je ramasse ça pour plus tard, ça pour plus tard, ça pour plus tard. Si je ramasse ça, la mangrove, c'est que c'est vachement utile. Dans le sens où c'est avec ça qu'on peut faire aussi des brochettes. Les brochettes, mais autre chose également, comme vous avez pu voir dans les épisodes précédents, il y a pas mal de choses à faire avec. Donc on va essayer de l'utiliser au maximum. Ça, je crois que c'est de la mangrove aussi, oui. Il en restait un kangourou, je crois. Il est parti par là. Petit coquin. Oh, le pauvre. Oh, parfait. On va manger de ça pour l'instant. Alors, là, ce qu'il faut que je fasse, c'est lui faire peur et de le faire avancer dans la cage. Ah, il va être chiant. Être vraiment chiant. Est-ce que... Ah, je comprends pourquoi il fait comme ça. Traï. Ok, je l'ai récupéré. Mais il me suit derrière. Rappelez-vous par contre les amis, je ne peux pas... Non! Ah, oh, je pensais pas à ça par contre. Non. Non, reviens. Reviens. Non, j'avais pas compris. Non, je ne savais pas que si je lâchais le truc, ça faisait ça les amis, j'avais pas compris. Hein. Ah, mais ça veut dire que je vais être coincé avec lui. Alors attendez. Hein. Réfléchir. On a un enclos les amis. Vous avez compris le reste? Je vais mettre dans l'enclos. Hein. Je vais pas m'embêter. Hein. Je le mets dans l'enclos direct. Hein. En attendant le lendemain, hop, dans l'enclos. Ah, du j'ai vendu, merci, au revoir. Au moins, je suis sûr d'être tranquille après, les amis. Est-ce que je vais pouvoir traverser l'eau avec? Oui. Et parce que je vous rappelle que chez John, on peut pas. Est-ce que chez la mamie, on peut? Non, on peut pas. Hein. Non, non, il va falloir que je le refasse. J'ai pas le choix. Et voilà. Là, logiquement, il peut pas partir. Hein. Il peut pas partir, hein, je pense. Hein. Dormir. J'espère. Ouais, j'ai pas mal chassé, hein, ce qui est normal. C'est normal. J'ai pas mal chassé, hein. Je vais sauvegarder. On a une nouvelle visite de Melvin. Tout va bien se passer. Ne vous inquiétez pas. Tout va bien se passer. Et par contre, la réponse, oui, ça marche. Regardez, il est encore là.
Alors toi. Je suis désolé, mais pour l'instant j'ai pas le choix. Il va falloir de l'argent parce qu'en plus il y a un visiteur qui vient d'arriver. Melwin, par contre, je sais plus. Je sais plus ce qu'il fait cette personne. Ah, il est content de John. Et John, il pète la forme. Parce que c'est juste les produits de John, en fait, il est content, quoi. Franchement, John, t'as changé. Hein. Moi, par contre, je vais me faire de l'argent. Ah ouais. Là, je sais que ça rapporte, t'inquiète pas, l'ami. Hein. C'est rentré dans la tête. Hein. On va attendre que John ouvre. Et au passage, du coup, on va aller voir Melvin. Ah, mais Melvin, il fait les meubles, les amis. Mais ça m'intéresse pas en vrai. C'est une perte de temps là, j'ai même pas envie. Hein. C'est une perte de temps. Je suis en train de voir en même temps, les amis. Je suis quelqu'un de trop malin en vrai. Là, j'étais en train de tranquillement de regarder un petit peu aux alentours si je pouvais pas capturer autre chose en même temps. Mais il y a rien à part. Les grenouilles, et les grenouilles, elles se font attaquer. Hein. Ah, les grenouilles, elles se font attaquer vraiment partout. Hein. On va manger ça. Ah, il va ouvrir la boutique. T'es en retard, John. C'est vraiment pas bien ça. Allez, John. Bah alors John. Qu'est-ce qu'il me fait John? Ah mais j'ai mal fait les amis. Au fait, quand je posais la cage, je faisais clic gauche au lieu de clic droit. Du coup je le faisais sortir. Mais qu'est-ce qu'il fait John? Il travaille pas aujourd'hui? On est le dimanche là. Le problème c'est que le truc en français, vous voyez, on voit pas correctement le jour. C'est mon animal. Là par contre, ici même les amis, ça va, c'est pas caché par la webcam. Il montre les animaux qu'on peut avoir. Je sais pas si ça donne des informations du coup. Je sais pas si c'est vraiment vrai. Attendez, John là il est rentré là? Non mais il rigole ou quoi lui? Non, ok ok, il travaille pas. Je pense qu'on est le dimanche là. Oui, je vais te donner à manger. Attends, c'est à l'intérieur. J'arrive. J'arrive mon petit poussin. Mon petit poussin. J'arrive, j'arrive. Attends, ça c'est mon bouquin ça. Je pense que là, ce qu'on va faire, pour pas perdre de temps, c'est qu'on va s'occuper de tout ce qu'il nous faut. Donc de la nourriture et les choses qu'on va vendre à notre cher ami John. Tiens, t'as de la nourriture. J'espère par contre que l'animal va pas mourir dans la cage. Ah, bonne question les amis ça. Est-ce qu'il peut mourir? Telle est la question. Là je vais prendre les minerais que je vais faire fondre. On va pas perdre de temps les amis. Et en attendant que tout ça se fasse, je vais partir à l'aventure chercher quelques fruits. Rappelez-vous, il y a des fruits qu'on doit utiliser pour les recettes. Donc on va essayer de ramasser un petit peu partout certains fruits. Donc de la bush lime. Bush lime. Kong up, quelque chose comme ça. Croco par contre ça s'est bien vendu les dents.
parfait. Il m'a pas donné de viande. Par contre, il m'a donné quand même pas mal de dents. Il y a de l'os aussi, mais c'est intéressant. Toi, je vais te laisser tranquille. Là, je suis surtout en train de regarder les fruits aux alentours. N'oublie pas, les amis, qu'il nous faut pas mal de fruits. Hein. Il nous faut les bananes, ça c'est sûr. Les bush lime, donc ça c'est ce qu'on a. Par contre, je vais également ramasser les minerais. J'aurais pu reprendre la cage, les amis, et l'utiliser et ensuite... Alors les amis, justement, je pense que c'est plus utile de faire ça. Si vous avez un enclos, les gars, faites-le, d'accord? Si vous capturez un animal et que vous êtes comme moi dans la même situation, que vous pouvez pas le poser, etc., mettez-le dans l'enclos, vous l'enlevez de la cage, vous reprenez la cage et vous allez capturer un autre animal. Ça doit fonctionner, les amis. Sûr à 100% que ça doit fonctionner. Là, j'ai fait une bêtise. J'ai clairement fait une bêtise. Ah, si j'avais su. Mais je pouvais pas le savoir parce que je ne le savais pas. Comme je vous ai dit, hein, je me spoil pas ou quoi que ce soit. Hein. Je fais tout moi-même. J'apprends moi-même, en fait. Je suis comme ça, j'aime bien. Voilà, c'est tout. Hein, quoi? C'est tout. J'aime bien découvrir moi-même. J'ai toujours été comme ça dans les jeux vidéo. J'aime pas me spoil, en fait. Je suis vraiment un joueur qui triarde. J'adore ça. Ah, j'adore. Tac, il y en a un ici. Ah, je peux pas le casser. C'est que j'ai visé à côté, au fait. Ça a l'air d'être un gros poisson, lui, non? Non. C'était pas lui que je voulais. Ah, dommage. J'ai pas fait attention, les amis, mais par contre j'ai fait les objectifs quotidiens. Donc à première vue c'était d'utiliser la table de cuisson et de faire cuire des fruits et légumes. Plutôt des fruits, je pense. Il est trop loin. Et là, il va falloir que je fasse de la plantation, les amis. Faut que je plante des fruits. Il est quand même gros, lui. Hein. Je sais pas si je l'ai déjà pêché. Je pense pas, en vrai. Je sais pas. On va bien voir. Wow! C'est un poisson-chat à queue d'anguille. C'est vrai que les poissons-chats sont super gros. Vous vous assurez de documenter tous les différents poissons que vous avez attrapés. Voici une étape importante pour ajouter de nouvelles espèces de poissons à votre Pedia. Donc là, j'ai réussi à faire 10 sur 10. Oui, c'est ici, les amis. Regardez, j'ai fait 10 sur 30. Ça va, ça se voit. 10 sur 33, excusez-moi. Mais ça se voit, donc du coup vous voyez sans que ça soit caché par la webcam. Intéressant, les amis. Donc là on a fait un petit objectif vraiment sympa. Donc on va continuer tranquillement, hein. Là on est tranquille, on est en détente, tout en faisant des objectifs. Et je vous rappelle que la base d'un jeu vidéo, hein, déjà de base, c'est de farmer. Donc là on va farmer et on va tout faire pour bien avancer. Donc là il faut qu'on récolte les trucs les plus essentiels. Donc on va le faire. Par contre là, ouais, je suis en manque un petit peu d'énergie. Ah, le voilà, le fruit. Gondong. Il donne rien, cet arbre, on est bien d'accord, hein. Un objectif accompli, le maître de la récolte, les amis. 500 sur
Maintenant, on est à 500 sur 1000. Je regarde un petit peu. Il faut en faire combien? En tirer 4 fruits, ok. Ça va. Ça pareil, faites très attention, hein. Si vous coupez les arbres fruitiers, faites attention parce qu'à force de les couper, vous allez plus en avoir. Et si vous plantez pas les fruits que vous récoltez, je pense que vous allez avoir un petit problème sur votre partie, les amis. Hein. Faites vraiment très attention à ça. Hein. Là, je ramasse vraiment les trucs les plus essentiels. Hein. Je m'embête vraiment pas. Hein. Et je vous rappelle d'ailleurs au passage que vous n'êtes pas obligé de couper l'arbre pour avoir les fruits. Hein. Il suffit juste de faire un clic droit et vous avez le fruit en question. Par contre, ce qui serait bien, ça serait que le monsieur qui s'occupe des légumes soit là. Parce que ça nous permettrait notamment de pouvoir, comment dirais-je, bien planter des légumes qu'on n'a pas, quoi. Comme les carottes, tout ça, quoi. Ouais, parce que là, on va être un petit peu coincé, les amis. Il y a des trucs qu'on va pas pouvoir faire. Hein. J'ai pas rêvé. C'est une perle, les amis. J'ai pas rêvé. Donc la dernière fois, ce que j'ai ramassé, c'était pas une perle. Hein. C'était bien... je pense que c'était une moule. Hein. Voici une étape importante pour le plonger... pour la plonger pour le trésor. Excusez-moi. Donc là, je viens de ramasser clairement une perle. Elle est là. Donc j'imagine que les perles, on va pouvoir faire des choses avec. Je le vois sur la droite, c'est... Mais attendez. Faut que j'y aille. Je suis trop curieux. Tout le monde le sait que je suis curieux. C'est des cailloux, non? Je pense pas que ce soit des cailloux. Allez, viens ici, mon petit poisson. Viens voir papa. On te fera pas de mal. Je t'assure que je te ferai pas de mal. Un place bleu à la tête plate. Ah, attends, parce que du coup... c'est de la décoration, les amis, à première vue. Enfin, pour l'instant, c'est de la décoration. Après, plus tard, peut-être pas. Si on a tout ce qu'il faut pour pouvoir plonger, mais... pour l'instant, je peux pas faire grand-chose avec. Donc là, j'ai vu que, effectivement, j'ai trouvé une perle. Donc on va continuer à faire le tour. Et voir si on en trouve pas d'autres. Là, je pourrais pas l'avoir. C'était quoi, ça? La décoration. Mais je pense que du coup, si je vais dans l'eau directement, les choses comme ça, je pense que j'en aurai un peu plus. Hein. Sauf que ça va être dangereux, quoi. Il y a des requins. Hein. On va faire le tour de l'île, tranquillement. Voilà. Là, au moins, on est tranquille, les amis. Il y en a pas mal là-bas de fruits, regardez. Et là, par contre, ça va être un endroit vraiment très très bien pour capturer ce genre d'animaux, là. J'ai perdu le nom. Ça, j'ai envie de faire un test. Je m'en rappelle plus, les amis. Je m'en rappelle plus du tout. C'est du bois de palmier. D'accord. Je m'en rappelais pas. Ça, on va le casser. Parce que ça, les amis, dans le dernier épisode, je pense que vous l'avez vu, je me disais à chaque fois, bon, bah, on ramassera plus tard. Pareil. Quand il m'en fallait, il n'y en avait pas. Oui, mine de rien, j'ai vraiment bien avancé. Hein. Genre... je suis allé loin, quand même, là. C'est une mouche!
Encore une mouche. Qu'est-ce que t'as attrapé aujourd'hui? Une mouche. Ah oui? Oui, une mouche. Ah, là, il y a pas mal de minerais. On va les ramasser tranquillement, les amis. Comme ça, au moins, ça sera fait. Voilà. Parce que ça, c'est pareil. À chaque fois, je dis que j'en ai assez, mais j'en ai jamais assez, au final. Hein. Ça part trop vite, hein. Quand vous faites des clous, des choses comme ça, ça va trop vite. Hein. Il y a pas mal de poissons. Hein. Je pense que c'est le temps idéal pour pêcher du poisson. Hein. Mais je vous rappelle, on n'est pas venu là pour du poisson, on est plus là pour les fruits déjà de base. Et là, mine de rien, j'en ai ramassé quand même pas mal. Parce que si vous regardez bien, j'ai ramassé que 6 bananes. Ah bah oui, parce que j'en ai mangé. Logique. J'ai ramassé ça, et j'ai ramassé ça, les amis. Sauf que je pensais en avoir ramassé plus, mais... C'est vrai que, au final, je crois que c'est 1 à 3 fruits par arbre, je crois. Je sais pas si c'est aléatoire. Je crois que c'est aléatoire, mais je suis pas sûr. Tac. Donc là, pareil, les amis, on ramasse tous les minerais, comme je vous ai dit. Comme ça, je suis sûr d'être tranquille. Tiens, tiens. Là, par contre, on voit plus rien. J'ai ramassé, vous avez vu, la pierre là de couleur or qui peut nous donner du coup du fer. Alors ça c'est aléatoire, hein. Mais ça peut nous donner du fer, les amis. Intéressant. Pour l'instant j'en ai qu'une. Et elle est dans la barre à la 5ème case, si je dis pas de bêtises. Intéressant. Du coup, on aura peut-être du fer. On croise les doigts. Là, vous voyez, par exemple, j'ai ramassé que 2 de bananes. Et du... gandang. Je pense que ça se prononce gandang. Eh bien, j'ai réussi à en avoir 3, du coup. Eh, mine de rien, j'ai pas mal de choses. Hein. Parce que c'est vrai que j'ai tapé les tonneaux. Je suis loin de la maison. Hein. Ah ouais, je suis à l'opposé quoi. Ah oui, je suis allé loin. Ah oui. C'est peut-être pour ça que je trouve pas mal de bananes quand même, mine de rien. 2 de bananes, les amis. Toujours 2 de bananes à chaque fois, j'ai l'impression. Toujours 2-2. 2-2 à Bougadeux. J'aurais dû prendre ma barque. Je pense que mine de rien, la barque... Ah, des pommes. Je vais pouvoir planter du coup des pommes, les amis. Ça, c'est parfait. Hein. Alors là, franchement, je me mets bien. Hein. Parce que les pommes, c'est ce qu'il fallait que je trouve. Hein. Parce que oui, dans la recette, c'était des bananes, gandang, pommes et des bushline. Je sais plus comment ça se prononce en français. Je pense pas que ça soit la bonne traduction. Après, je vous rappelle que sur le jeu de base, ils mettent pas les vrais noms. Je pense qu'ils font un jeu de mots. Pas peut-être avoir des problèmes, je sais pas. Peut-être par rapport à l'univers du jeu aussi. Hein. Je sais pas. Oui, je suis loin. Oh là là, je suis très loin. Là, on va mettre du temps à revenir, les amis. Il est en train de me chasser derrière. Je pense qu'on va, on va casser la lance, les amis. Alors toi, tu ne tueras pas. Nope, nope. Et un troisième morceau de viande quand même. Déjà quand on tue des animaux, c'est pour avoir que un morceau de viande ou deux. J'aimerais bien en avoir 3 quoi. On est loin là. Ah ouais, on est vraiment loin quand même. Hein. Par contre c'est intéressant parce que du coup on a ramassé des pommes. Et je pense que les pommes vont vraiment nous servir à faire d'autres choses derrière.
Allez. Ils sont déterminés. Hein. Ils sont énervés. Mais vraiment. Hein. Et Bush Lime. Alors d'accord. Bush Lime, c'est 3. Pomme, 5. Banane, 2. J'ai l'impression que c'est tout le temps comme ça. Et les Gondank. Quelque chose comme ça. À chaque fois, je retiens pas le nom. Je crois que c'est. C'est 3, non? Je sais plus. Je crois que c'est 3, je suis pas sûr. Et ça, il faut le retenir parce que du coup, c'est pas aléatoire. Hein. C'est vraiment déterminé. Hein. C'est précis le truc. Hein. Là, c'est parfait parce que quand on va revenir à la maison, on va planter les pommiers à la limite. Ça va nous faire des. Ça va accomplir l'objectif. Et nous, on va gagner des points du coup. Alors pareil, il n'y a pas que ça à faire les amis, hein. N'oublie pas que c'est très important, c'est de parler à John et aux autres habitants pour débloquer des, comment dirais-je, des objectifs, ok? C'est vraiment très important. Donc les cocotiers ont bien poussé les amis, donc c'est normal au fait, quand vous creusez, que vous balancez le cocotier, c'est-à-dire la noix de coco, et que vous remettez la terre par-dessus, c'est normal que vous voyez la noix de coco. Donc ne vous inquiétez pas, ça pousse. Parfait, c'est bon à savoir. Il faut tout savoir sur un jeu vidéo. Sinon, vous n'avancez pas. C'est le mec. Tout simplement, quoi. Ah oui? Oui, oui, tout simplement. Oui. Voilà, pareil. J'avais dit que... Oui, mais le problème, c'est que tu peux pas réellement savoir si ça va. Oui, non. C'était là les amis. Je pense que je vais rester comme ça, même si l'autre c'est plus rapide, mais pour l'instant j'ai pas trop la main dessus quoi. Vous voyez ce que je veux dire, c'est je suis pas très précis pour l'instant. Voilà, les pommiers c'est fait, tout ça c'est fait. On a pas mal déjà de bananiers. Ouais mais après c'est mal fait parce que par la suite je pense que je vais redécouper et je vais refaire correctement parce que là ça me va pas. Par contre il faut un quatrième. Ah oui, ça n'a pas marché parce que c'est l'arbre là qui gêne. J'en suis sûr que c'est ça les gars. Sûr c'est ça, 100%. Et il veut pas hein. Pourquoi il veut pas? J'arrive pas à comprendre. Pourquoi il veut pas? Ah, il y avait une graine dessous, les amis. C'est la graine qui m'a gêné. Un petit coquin, là. C'est le mec. Petit coquin, là. On va se faire des morceaux de viande. Du coup là pareil, ouais, j'en ai tellement maintenant. Ah oui, j'ai du courrier. J'avais pas fait attention. C'est toujours pareil. Alors là en fait c'est en gros, c'est que j'ai débloqué un level au niveau de la chasse. Ce qui est tout à fait logique vu que j'ai chassé pas mal d'animaux. Là je vais faire cuire de la viande. J'en ai 3. Sur tout ce que j'ai tué en kangourou, j'en ai que 3 les amis. Déçu. Je suis déçu. Ah oui, ouais, oui, je suis déçu. J'ai rien d'autre en objet. Hein. Non. Là par contre, ce que je peux faire à la limite, c'est faire ça. Là, on va mettre ça à l'intérieur, tout ça. La mangrove, ouais, si je veux le poser, c'est bon. Là j'ai les bananes, tout ça, ok. J'aimerais bien obtenir du fer les amis. Ce serait vraiment très important parce que si je peux voir dans les objets ce que je pourrais utiliser pour un objet vraiment essentiel à base de fer, ce serait cool quoi. Oh là là, tout ça que j'ai à fond. Il me faudrait un autre fourneau les amis.
de l'étain. Pour l'instant, j'ai pas autre chose. Je pense qu'à mon avis, les perles, ça doit être super dur à trouver parce que... Peut-être qu'après, je me trompe. On verra bien. Par contre, ça nous a pas donné grand-chose. Hein. Ça nous a donné que de l'étain et du cuivre, les amis. J'aurais dû garder une pomme. Juste pour faire le plan au moins une fois. Comme ça, ça m'aurait permis de découvrir. Et mince. J'en ai qu'un minerai de fer. Je me demande si le fer c'est exactement pareil. Genre, est-ce qu'il faut exactement le même nombre On va tester ça tout de suite, mais je pense que oui. Je peux rien faire. Je pense qu'il faut à peu près 3 minerais. Quelque chose comme ça. Je sais pas. On verra ça plus tard, les amis. Pour l'instant, on ne peut pas savoir. Là, ce qu'on va faire, les amis, c'est qu'on va, tout simplement continuer tranquillement à faire cuire. Ça sert à rien de faire passer la nuit. Parce qu'on va atteindre les, pratiquement une heure de vidéo. Donc. Donc ça servirait à rien. Donc là on va vraiment profiter de la soirée dans le jeu pour charbonner et faire les choses les plus importantes quand même. On va faire cuire les bananes. Parce que je vous rappelle que faire cuire les bananes, quand on va les manger, ça sera plus essentiel. Par contre les bananes ça cuit vite hein. J'avais complètement oublié ça. La petite mamie hein. Qu'est-ce qu'elle nous raconte de beau la mamie? Quoi de neuf? J'aimerais pouvoir vous aider davantage, Mifa. Je vais vous dire, vieux Fletch n'était pas toujours vieux. J'avais l'habitude de courir pour aider les gens comme vous. C'est mignon. Je faisais toujours quelque chose. Oh, c'est pas grave, je t'en veux pas la mamie. Eh, c'est bon, t'as assez fait pour ton âge hein. J'ai attrapé un criquet, les amis. Parce que ça, c'est les insectes du soir aussi. Hein. Je pense. Ouais, ça va, ça va. Ça part vite. Par contre, c'est vrai que niveau des minerais, il faut que je les façonne. Hein, parce qu'il faut que j'ai des lingots. C'est vrai que j'ai pas grand chose pour l'instant en lingots. Je vais regarder un petit peu dans la table ce que je peux faire les amis. Parce que le lingot au fait c'est ça que ça va me servir, c'est pour les pièges. C'est ce que je pensais déjà en... dans l'épisode précédent, c'est ce que je pensais déjà, vous voyez ce que je veux dire Ah les dents de crocodile ça sert à faire ça. Mmh. Une batte de dents de croc. J'imagine que ça doit mettre beaucoup plus de dégâts. Hein. Vert en cuivre. Je suis sûr que ça doit servir à quelque chose, mais quoi, je ne sais pas. Planche à bois dur et planche de palmier. À la limite, on va le faire, les amis. Attendez, je crois que j'ai ce qu'il faut. Hein. Planche à bois dur. Planche de palmier. Je crois qu'il faut de la résine, non? Non, mais c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Bah, c'est bon, on va pas l'attendre. Hein. On va le faire nous-mêmes. Allez, hop! C'est bon John, t'es remplacé. C'est bon, tu sers à rien John. Je rigole. On va le mettre à un endroit les amis. Parce que c'est un endroit où tu es censé aller à chaque fois. Et j'aimerais éviter de le casser à chaque fois en fait. Donc on va le mettre à un endroit... On va le mettre à côté du poteau électrique. Au moins je suis sûr que ça gênera pas pour l'instant. Le poteau électrique j'ai l'impression qu'on peut pas trop le bouger et enfin pour l'instant à première vue hein. Comme je vous ai dit le jeu je le connais pas par cœur, c'est moi qui le découvre moi-même donc on verra bien. Donc là hop toi tu viens. Je vais t'ajouter dedans, de toute façon je sais très bien que je peux pas récupérer la cage. Donc voilà quoi. Hop là, au revoir la cage.
Une dinde à broussailles. Une dinde. Déjà, ça va m'emporter un petit peu d'argent, les amis, mine de rien. Si je mets le minerai, ça risque pas de fonctionner. Ça va, John? Qu'est-ce que tu fais, John? Tu rentres chez moi? Tu fais quoi? Non, mais dis donc. Est-ce que je t'ai demandé de rentrer chez moi? À partir du moment où tu passes mon portail, t'es chez moi. De toute façon, l'île, elle m'appartient, ok? C'est le gars. L'île, elle m'appartient alors que c'est complètement faux, mais bon, c'est pas grave. Ils sont en train de se parler. T'as fait quoi de ta journée? Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu notre fameux Bifa 24 qui vienne tranquillement dans la mairie afin d'améliorer le bâtiment. Laisse-moi deviner, il ne l'a pas fait. Non, il l'a pas fait. Il a rien fait, l'enfoiré. On va pas tout faire. C'est bon, vous inquiétez pas, vous aurez l'argent. C'est bon. Attendez. Y a pas le feu au lac. Mais Melvin, il sert à rien. Moi, ce qu'il me faudrait, c'est pas Melvin. Ce qu'il me faudrait, au fait, c'est notre cher ami pour l'élevage et la plantation. Et ensuite, je vous rappelle qu'il y en avait un qui était venu avec des... comme une sorte d'aquarium. Et t'en avais un autre qui était venu... Ah, je me rappelle plus. Je sais plus. Peut-être que j'en ai oublié, je sais pas. Parfait. Ouais, parce qu'après, dans la suite, si on arrive à obtenir tous les fruits et légumes, on va pouvoir faire des plats élaborés. Et ensuite, on fera quelques plats comme ça. On va enchaîner les plats. Et on mettra ça sur nous. Et après, comme ça, on sera tranquille. On n'aura pas besoin de manger à chaque fois. Vous voyez ce que je veux dire? On sera vraiment tranquille, quoi. Salut John. Du coup, j'ai préparé les objets pour le lendemain, les amis. Notamment, j'étais en train de penser à un sac de graines. Ensuite, je vais ranger les fameuses petites planches. Tac, ça, j'en ai pas besoin. Là, j'ai les lingots, les amis. De toute façon, je pense que le minerai en question... je sais pas trop ce que je vais en faire pour l'instant, quoi. Parce que pour moi, j'en ai pas assez. J'en ai clairement pas assez. C'est toujours comme ça. Quand vous jouez à un jeu vidéo, les amis, il faut toujours réfléchir à anticiper des actions du lendemain. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est ce que je suis en train de faire, en fait. Ça se voit pas, mais c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de tout réfléchir à qu'est-ce que je peux faire pour que demain, dans le jeu, je gagne du temps. Des choses à ne pas refaire sans cesse. Là, pour l'instant, la nourriture, je suis coincé. La nourriture, je serai tout le temps obligé de faire cuire des aliments. Mais j'ai commencé quand même à anticiper. C'est-à-dire que j'ai déjà planté des bananes, du coup, les pommes que j'ai ramassées sur un pommier. Le gain... Comment ça s'appelle? À chaque fois, je perds le nom. Gondang, du gondang, des chaux de brousse, donc c'est de la, c'est du machin. J'ai ramassé aussi du cactus figue. Je sais pas si ça s'avère réellement. Dans le doute, les amis, vu que, et mine de rien, bah oui, mine de rien. Pour l'instant, je suis pas prêt à faire les limitations avec les clôtures. Pourquoi pas les planter? Ça me coûte rien, honnêtement. Je vais le faire. Comme ça, au moins, je pourrais... Je crois que j'ai atteint la limite, les amis. C'est l'heure, en fait, dans le jeu. J'ai atteint la limite. Eh oui, il faut qu'il dorme. Je pense que je suis à deux doigts de m'écrouler, les amis. On va juste mettre ça et ça sera fini, les amis.
Voilà. Là, on est bien, les amis. Là, on est tranquille. On est tranquille. On était bien le dimanche. Hein. C'est la traduction, elle est buggée par rapport au jour. Zingani, ouais, bah, ça c'est normal. En même temps, j'ai rien fait pour vendre. Mais je vous rappelle quand même que j'ai mis un animal. Par contre, il faut que je fasse plusieurs cages, mais comme je vous ai dit, j'attends d'avoir le lingot de fer pour ensuite faire la cage. C'est vraiment mon objectif. Ok, re les amis, excusez-moi, j'étais au téléphone. Du coup, donc on va se quitter là-dessus. N'oubliez pas, très important, de lâcher un maximum de pouces bleus, également de commenter, de partager cette vidéo au maximum, de rejoindre les réseaux sociaux, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la fameuse petite cloche, de désactiver Adblock afin de monétiser les vidéos, très important, et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye tout le monde.